Le stade municipal de Bafang dans la région de l'Ouest a été provisoirement suspendu de toute compétition par le Conseil transitoire du football professionnel. Cette décision fait suite aux actes de violence physique perpétrés sur les arbitres du match Unisport de Bafang contre Victoria United, disputé le 12 février dernier dans le cadre de la 14e journée du championnat professionnel MTN Elite 2. Le comité transitoire a pris la mesure conservatoire de suspendre le terrain du stade de Bafang et envoyer Unisport probablement jouer ses matchs ailleurs. C'est une mesure normale, conservatoire, parce que seule la commission d'homologation et de discipline aura le mot qu'il faudra pour apprécier, aura les éléments qu'il faudra pour apprécier le degré de, bien l'ampleur des dégâts qui ont été commis. Après avoir fait un recensement réel et écouté les personnes ressources telles que le recommandent les statuts ou bien le texte en vigueur pour ce qui est de notre football. Suite à un pénalty jugé litigieux accordé à l'équipe de Victoria United à quelques minutes de la fin du match, les supporters du Unisport de Bafang, qui menaient par 1-0 jusque-là, ont fait irruption sur l'aire de jeu et s'en sont physiquement pris aux officiels.